un problème d'abord de comportement, parce que nous finissons réaliser par exemple que l'année dernière, ne serait-ce que l'année dernière, il y a plus de 800 cas de conduite sous l'effet de la drogue. Et aussi, nous encore, il y a un cas de conduite sous l'effet de l'alcool. Nous encore, il y a beaucoup de cas non-respect des limites de vitesse. L'année dernière, il y a 60 000 cas. Au niveau de la détection policière, est capable de répertorier ce manque-là et lui démontrer que malgré la campagne de sensibilisation, encore il y a un comportement qui est à risque par rapport à la route. Ça qui dit moins bien comprendre, ça qui la route n'est pas un espace sans danger et qui l'eau la rue, nous la vie lui conjuguer. Derrière qui moi me faire, il est capable de malheur, mon prochain qui trouve lui au même endroit au mauvais moment. Du monde pour faire erreur. Mais seulement nous devons réduire ban erreur à travers la prévention. La route, bien capable, indulgente en lui-même. Bien, guette nous ban la route au niveau infrastructurel qui est capable de faire pour limiter ban dégâts au cas qui est là. RR. Nous devons travailler aux deux, trois niveaux. La sensibilisation. Montrer qui, si du monde n'est pas sensibilisé, pas respecté le code de la route, pas respecté la ville ou la route, pour une sanction, si comment dire, nous pas pour faire l'écho d'une sanction qui prend, mais du monde là pour dire, il ne faut pas faire n'importe quoi, non seulement faire l'écho d'un accident, mais faire aussi l'écho des sanctions qui sont prises. Nous devons faire un peu plus. Ban audit pour guetter côte manque ban marquage de route, ban mobilier de route demande un certain entretien, mettre ban éclairage côte bizarre. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.